voir sur cette table, il y a pas mal de choses. Et encore, il y a encore deux cartons qui étaient derrière moi. J'ai pas mal de choses aujourd'hui. Je vais reposer ça. Les choses à faire avant de passer à l'atelier du Père Noël. Vous avez vu, j'ai mon plus beau pull de Noël, donc un petit bonhomme de neige. Je suis prête à avoir de la neige, j'attends que ça. Du coup, je me suis un petit peu changée de décor. Il y a mon beau sapin. Je me suis foutue sur ma table basse, qui du coup s'ouvre. Et du coup, ça va me faire un petit atelier pour travailler dessus. Puisque du coup j'avais envie de mettre un petit esprit de Noël. En plus on a décoré les vitres en même temps, donc voilà, j'espère que niveau lumière ça va le faire. Sinon avant de m'attaquer aux ateliers du Père Noël, je vais aller à la poste puisque du coup je me mets dans le rôle de Père Noël. Vous avez dû le voir dans la séquence, je pense, que je vais faire avant, mais du coup j'ai emballé des cadeaux, puisque du coup je me suis désignée, j'ai été désignée en tant que Père Noël secret pour une personne, mise en place par du coup une super autrice que j'ai déjà fait une chronique dessus. Et du coup voilà, j'avais préparé un carton, mais en fait en vue de la taille des choses à l'intérieur, je vais plutôt juste prendre individuellement ces choses, parce que en fait c'est pas hyper gros en hauteur. Et du coup, je vais aller voir à la poste pour envoyer ça, pour que la personne puisse recevoir pour Noël, en fait, c'est ça le but. Vu que du coup, je suis Père Noël secret. Donc je vais préparer différents petits cadeaux, même dans des petites enveloppes, une petite lettre et tout, que je ne vous montre pas le contenu. Puisque du coup, on ne sait jamais, si la personne regarde, j'ai pas envie qu'elle se fasse spoiler. Du coup voilà, dans les choses à faire aujourd'hui, pas mal de choses. Il est 13h45 et du coup ma poste elle ouvre à 14h. Du coup en fait, comme elle est à peu près à 20 minutes de la maison, à pied, bon, même pas un petit quart d'heure, du coup je vais y aller, je vais me balader comme ça, je vais mettre ça dans mon petit sac à dos. Je vous montrerai un petit peu ma ville. Jusqu'à... quand je vais revenir, je vais commencer à emballer des cadeaux de Noël. Il y en a encore un petit peu à acheter. On va y aller ce week-end. Puisque là, nous sommes vendredi. Oui. On va y aller du coup demain. Mais du coup, il y a déjà des petites choses que j'ai reçues. Pour ma meilleure amie, pour lui offrir pour Noël. Donc en fait, je prépare vraiment quelques petites surprises. Mais surtout là en fait ce que je vais emballer devant vous sera pour ma famille, parce que du coup je sais que c'est une de mes plus supportrices et qu'elle regarde toutes mes vidéos et que je n'ai pas envie qu'elle voit ses cadeaux ou même qu'elle ne sache, donc je n'emballerai pas. J'ai pas mal de choses à faire, surtout qu'aussi je me suis dit que pour ce vlog un peu Noël, ouais, je vais aller faire de la pâtisserie aussi. Gonna find my way back home, back to where I'm most... Bon, c'est parti. Je vais à la poste. Et on se dit à tout à l'heure. Feeling like this place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far too many, who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take, for a journey to wind up here with you. My home, sweet home, I would do it all again for you.
d'arriver en avance, eh bien, il y a du monde. Il y a déjà une grande queue déjà dehors de au moins 4-5 personnes. Bon, c'est raté. En plus, il commence à pleuvoir, donc heureusement que j'ai mis le bonnet. Je camouflerai tout à l'heure mes cheveux dedans. Mais voilà. Bon, j'ai pas été la seule à avoir trouvé une bonne idée. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. J'enlève le masque puisque du coup je suis dans mon jardin. Le colis a été livré pour le Père Noël secret, donc j'ai hâte de savoir si les cadeaux ont plu à la personne. Donc là, il est assez tard, donc je continue à tourner à l'aise. All again for you. I would do it all again for you. I would do it all again for you. Could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Hint in her smile, glint in her eye, a little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. To come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. Thank you.
just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. De ce premier vlog Noël, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous.